Bonjour à tous, bienvenue dans Morning Echo du mercredi 2 janvier 2019. D'abord, bonne année et bonne santé à tous. Alors la mode, c'est d'être debout, donc on fera maintenant ces chroniques donc, du Morning Echo chaque matin debout. Et on rentre tout de suite dans le vif du sujet. Alors, bien entendu, eh bien, l'année 2018 pour faire un petit comeback a été la pire depuis 2008 sur les marchés financiers. Et vous voyez que ce matin, on a eu la première statistique importante en Chine. C'est le graphique d'en haut, et bien l'activité manufacturière continue donc de ralentir en Chine, on est même dans une zone de contraction, alors que le président Xi essaie de donner des messages rassurants sur l'état de son économie, et ce sera 2019 à coup sûr une année très politique, on va y revenir par certains éléments. Vous voyez que toutefois, dans le graphique d'en bas, eh bien, les États-Unis la semaine dernière ont arrêté donc leur séance baissière, puisque pour la première fois depuis 4 semaines, eh bien, le marché américain est monté si on regarde sur une tendance hebdomadaire, même si bien entendu, sur l'ensemble de l'année, eh bien, les grands indices boursiers ont été baissiers, voire très baissiers. Et vous voyez ici encore deux graphiques qui démontrent que la consommation également en Chine a pas mal ralenti, alors qu'aux États-Unis aussi, eh bien quand on regarde les dernières statistiques données donc par les différentes régions aux États-Unis, on voit là aussi que l'activité a ralenti, c'est indéniable à travers le monde. Et voilà un graphique assez intéressant relié donc ce matin par le Financial Times qui démontre que finalement sur moyen terme eh bien on devrait avoir une tendance à une croissance moindre dans le monde et ça il va falloir s'y habituer. On était sur des niveaux après-guerre donc de 5%, ensuite on a connu une croissance de 3,4%, eh bien dans les années à venir on pourrait être à 3% au niveau de la croissance mondiale. Il faut y faire avec, il y aura moins de relais, la Chine sera moins dynamique, l'Inde tentera de prendre le relais, mais ce sera de toute façon moins dynamique et ça aura bien entendu une conséquence sur les valorisations des marchés financiers, sujet sur lequel on s'en occupe. Alors, quand on regarde les éléments donc pour aujourd'hui, alors d'abord Donald Trump qui n'en démord pas avec son fameux mur donc sur la frontière mexicaine, eh ben serait prêt à négocier donc avec les démocrates pour trouver une solution, donc il convoque donc les députés, certains députés à la Maison Blanche aujourd'hui, et c'est aussi important pour les démocrates de trouver une solution parce que ils vont être investis de leur mandat à partir donc de jeudi à la Chambre des représentants, et pour que les choses puissent avancer et bien finalement causer des problèmes à l'administration Trump, les démocrates ont besoin que cet accord aboutisse et que donc tout le gouvernement réouvre, et donc un accord pourrait être trouvé dans la journée ou d'ici demain de ce côté-là, donc c'est une nouvelle qui pourrait rassurer les marchés. Alors bien entendu, hier aussi, on a eu l'intronisation du fameux président brésilien Bolsonaro. Vous voyez que finalement, eh bien, la bourse brésilienne a anticipé des bonnes nouvelles de la nouvelle administration donc Bolsonaro. Le Bovespa, donc, qui est l'indice brésilien, avait déjà bien tenu, voire progressé dans les toutes dernières journées de l'année 2018. Beaucoup d'espoir, bien entendu, sont dans les mains de ce nouveau président, dont on sait qu'il a des positions assez radicales, mais on verra bien s'il arrive à donner donc un coup de tonus au marché brésilien et à l'Amérique latine dans son ensemble au cours de cette année 2019. C'est aussi un enjeu important. Alors, voilà donc le président Macron qui a fait ses vœux il y a 2 jours du point de vue assez offensif. Alors bien entendu, le mois de décembre, on le sait bien, a été très agité avec ce mouvement des Gilets jaunes dont la majorité des Français veulent voir l'arrêt aujourd'hui. On verra ce que ça donne au niveau social. Bien entendu, les mesures sont extrêmement coûteuses et vont bien entendu être imposées sur le point de vue donc de nos impôts, parce qu'il faut bien les financer. Vous voyez que les taux de prélèvement obligatoire fait par cette statistique dans les échos ce matin démontre que finalement, eh bien, nous serons prélevés encore de manière assez drastique dans les années à venir. On verra un peu comment ça donne. C'est aussi bien entendu un des enjeux de voir si M. Macron pourra continuer à faire ses réformes. Il va y avoir certainement une pause jusqu'aux élections européennes qui auront lieu donc fin mai, début juin. Mais voilà, c'est aussi un des points importants à regarder pour l'année 2019. Et bien entendu, on est toujours
dans cette attente par rapport au Brexit. Alors aujourd'hui, de plus en plus d'analystes et de commentateurs pensent qu'il va y avoir un référendum numéro 2 sur le Brexit. Pour le moment, donc, le plan défendu par Theresa May devrait être voté ou non au Parlement le 14 janvier prochain. Et vous voyez, comme démontre ce dessin humoristique relayé donc dans le Financial Times ce matin, eh bien, c'est toujours très délicat de gérer les divergences au niveau des conservateurs pour la Première ministre britannique. Encore un élément à suivre pour ce mois de janvier. Alors, venons-en bref. Juste un petit coup d'œil pour démontrer que finalement, suivant l'état des marchés, comment ils vont se comporter, eh bien, déjà sur le graphique de gauche, on le voit, les analystes ont revu assez drastiquement au niveau mondial les perspectives donc, de croissance des bénéfices tout au long des dernières semaines. Donc, finalement, peut-être qu'on aura des surprises un tant soit peu positives. Et juste un petit comeback aussi sur les pires et les meilleurs performeurs du CAC 40 sur 2018. Vous voyez que finalement, c'est les banques et les cycliques qui ont pas mal baissé. En revanche, toujours l'aéronautique et le luxe finalement qui s'en est bien tiré au niveau donc des grandes valeurs. Autre nouvelle, alors c'est pour Tesla. Alors Tesla, vous savez qu'il y a eu une vraie fausse sortie au niveau donc de la cote. Finalement, l'action continue à côté. Finalement, quand on regarde aussi, eh bien, l'action n'a pas bougé sur 2018 malgré donc ces marchés financiers très baissiers. Eh bien, Tesla a décidé donc de mettre dans son conseil d'administration eh bien Larry Ellison, le patron d'Oracle, qui est un fervent d'ailleurs soutien d'Elon Musk depuis des années, afin de donner donc un petit peu de stabilité. Voilà, c'est une figure bien entendu de la technologie et des grandes entreprises américaines. Larry Ellison, eh bien, il rentre donc au conseil d'administration de Tesla afin de calmer un petit peu eh bien la gouvernance du fabricant de véhicules électriques. Alors un mot aussi sur le trafic aérien, puisque finalement il a un tout petit peu, donc il continue à être en croissance sur 2018 de 6,1%, c'est moins qu'en 2017. Il faut savoir que 4,3 milliards de passagers ont voyagé dans les avions au cours de l'année dernière, et sur ces 4,3 milliards, il y a 1,3 milliard qui ont voyagé via donc les low cost. C'est assez considérable. Donc les compagnies low cost continuent à prendre des parts de marché, et malgré bien tout ce qu'on peut dire, c'est l'Europe qui reste finalement le premier marché mondial en termes donc nombre de passagers qui ont pris les vols dans la zone européenne. Voilà donc pour l'essentiel au niveau du marché aérien. Et juste un mot pour finir ce Morning Call 1er 2019 pour dire que Aquaman est véritablement un fort succès donc du box office, puisqu'il a dépassé au niveau mondial 750 millions donc de dollars de recettes. Il marche bien à travers tous les grands pays et il devrait passer donc les 1 milliard de dollars de recettes dans les prochaines semaines. Je vous souhaite donc une excellente journée. On termine bien entendu ce Morning Call, comme d'habitude, par la citation du jour, par donc Michel Delpech, qui est parti d'ailleurs un 2 janvier, il y a maintenant 3 ans, et qui a notamment dit « C'est merveilleux de croire, c'est une grâce ». À très vite sur le Morning Gecko, et passez tous une excellente journée, et bien entendu encore une fois, une très bonne année 2019.